D'un militaire qui faisait collection képi. Il y avait des blancs, des rouges, des verts, c'en était de bien beaux bibi. C'est la femme du sergent qui, pour gagner beaucoup d'argent, levait la jambe à tour de bras quand son mari n'était pas là. Lui dépensait sa solde à boire, faut dire que c'était son métier. Aussi le soir, fallait le voir parler de l'Indo et de la Corée. J'étais dans les rizières, j'avais deux hommes à moi, l'un tenant la bannière, l'autre me tenant moi. Elle répétait les mots d'amour que son mari lui avait appris. C'est pour ça qu'elle disait toujours feu à volonté toute la nuit. C'est la femme du sergent qui, pour gagner beaucoup d'argent, levait la jambe à tour de bras quand son mari n'était pas là. Lui dépensait sa soirée, faut dire que c'était son métier. Aussi le soir, fallait le voir parler de l'Indo et de la Corée. J'étais dans les rizières, j'avais trois femmes à moi. On ne faisait pas de manière, un coup je te vois ou je te vois pas. Pour recevoir ses petits amis, elle cachait tous ses képis, mettait une robe de champ kaki et se couchait en chien de fusil. C'est la femme du sergent qui, pour gagner beaucoup d'argent, levait la jambe à tour de bras quand son mari n'était pas là. Lui dépensait sa solde à boire, faut dire que c'était son métier. Aussi le soir, fallait le voir parler de l'Indo et de la Corée. J'étais dans les rizières, j'avais 100 hommes à moi, le flingue en bandoulière, on courait au trépas. Un soir d'ivresse, elle mourut sous celui qu'elle appelait Charles Martel, un trois étoiles plutôt foutu qui ne l'envoya qu'au premier ciel. C'est la femme du sergent qui, pour gagner beaucoup d'argent, levait la jambe à tour de bras quand son mari n'était pas là. Lui dépensait sa solde à boire, faut dire que c'était son métier. Aussi le soir, fallait le voir parler de l'Indo et de la Corée. J'étais dans les rizières, j'avais deux hommes à moi. On m'arrachait à la bière, et c'était mieux comme ça.